bar, l'étrange ou le carrément barge. Vous allez découvrir des hôtels pas comme les autres, où le nombre d'étoiles n'a rien à voir avec le confort du voyageur. Aux quatre coins du monde, en routard ou en VIP, nous vous ouvrons les portes de ces établissements où dormir est parfois une perte de temps. Hyper luxe ou hyper trash, toujours étonnante, voici les clés des chambres les plus insolites du moment. Dans ce numéro, vous allez vous évader enfin dans les arbres, comme un oiseau, pour aller plus haut. On s'est dit, on pourrait faire des nids d'oiseaux. Plus pépère, mais aussi efficace, le voyage dans les 5 continents proposés par une auberge de la Drôme pour bouger sans passeport. Un petit voyage qui, quelque part, fait du bien dans sa tête. Puis nous ferons un saut dans le futur, dans un hôtel de Madrid, conçu par le gratin des designers du monde entier. Nous sommes maintenant dans la suite présidentielle, designée par Jean Nouvel. Mais tout d'abord, on fait un voyage dans le passé, au Moyen-Âge, dans un hôtel d'Édimbourg peuplé de fantômes. Bienvenue au Witchery, la sorcellerie.